body in a body till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hen, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire tell a friend? Like all my homie Taya, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Waste it, so what? Irrelevant. Be a kick to the head. I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the bag, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever, ever want to grow up, I wanna keep it going, À vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la rive sud. Voici Frankie D live. Et oui, on peut pas être plus live que ça, Francis Daniel, en cette belle après-midi de mardi. Il est présentement 15h50. Et comme je vous avais parlé d'entrée de jeu ce matin, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous M. André Jean, candidat à la mairie à la ville de Lévis. Bonjour. Bonjour, Francis. Vous pouvez avancer le micro, inquiétez-vous pas, pour faire certain que les gens vous entendent bien. Okay. Oui, ça va bien. Monsieur Jean, oui. Vous avez été parachuté dans la municipalité de la ville de Lévis. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, parce que vous arrivez dans un domaine autre que celui de la politique municipale. Ben, j'aurais tendance à dire que je me suis parachuté il y a 25 ans. Moi, je suis natif du Saguenay. Je dois te rancher, je te parle un peu de moi. Ah non, non, mais allez-y, okay. Ça va me faire plaisir. Puis ça va, en plus, ça va permettre aux gens à la maison qui nous écoutent d'un peu vous connaître, parce que c'est le territoire de Lévis. Et vous arrivez du Saguenay comme ça, en politique municipale dans une très belle grande ville qui s'appelle Lévis. Et parlez-nous un peu de votre historique. Ben, c'est ça. Je suis natif du Saguenay, Chicoutimi, puis... J'ai étudié à Trois-Rivières. J'ai étudié en psychoéducation à Trois-Rivières. Très belle ville aussi, Trois-Rivières. Oui, pour étudier, c'est excellent. Moi, j'ai habité dans Trois-Rivières-Ouest à l'époque. Ah, OK, c'est ça. Moi, je demeurais dans le centre-ville. J'ai étudié à l'UQTR. C'est là que j'ai connu ma conjointe vers la fin de mes études. Moi, j'étais de Chicoutimi, elle de Limoilou. Ça fait qu'on est allé rester dans le Vieux-Québec en revenant vers le centre-ville. Donc, on est allé rester à Québec. Je pense que c'est un de mes amis qui demeurait à Lévis. Puis, on a décidé de s'établir à Lévis. Pourquoi ça va faire combien d'années? Là, ça fait 25 ans, je te dis. 25 ans? Ben, c'est ça. Donc, on est venu s'installer à Lévis. Premièrement, en logement. Puis, à un moment donné, moi, je demeurais à Lévis, je travaillais à Québec. Puis, je vous mens pas, je travaillais à Québec, je connaissais la ville de Québec, je me perdais. Je me suis dit, non, André, ça te prend une implication dans cette ville-là. Et à cette époque-là, j'avais embarqué sur le conseil d'administration de la Caisse populaire de Bienville. Oui. Ça a été à peu près mes premiers contacts, entre guillemets, politiques, parce qu'il y avait une élection, il y avait plus de candidats. J'avais même pas 30 ans à cette époque-là. Ça a été mes premiers contacts avec la vie de Lévis, si on veut. Par la suite, j'ai eu un enfant.
Je n'ai eu un deuxième, je n'ai eu un troisième, je n'ai eu un quatrième. Donc, vous avez contribué allègrement, là. Disons que je ne suis peut-être pas Lévisien, mais mes enfants le sont, okay. Pas à peu près. Okay. Donc, on s'était établi Lévisien. Bon, comme je vous disais, j'ai travaillé avec l'intervention. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais travailler en intervention en délinquance. Travailler des jeunes. Puis ça a donné que j'ai toujours travaillé avec des adultes. J'ai travaillé un peu avec des enfants de 6-12 ans dans des centres d'accueil. Donc, j'ai toujours travaillé en adulte. Soit avec des gars qui sortaient de prison, des jeunes en réinsertion sociale. Et là, je travaille présent. J'ai travaillé longtemps en psychiatrie. Je travaille encore en psychiatrie. Je suis cadre dans le réseau de la santé. OK. Et votre expérience que vous avez sur le terrain, c'est un beau matin avec la prise de décision de participer aux élections municipales de la ville de Lévis. Comment c'est arrivé? C'est une réflexion, je vous dirais. Ça fait environ une couple d'années que je jongle avec cette idée. Est-ce qu'on vous approchait? Est-ce qu'on vous a essayé de vous casser un bras? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une démarche que j'ai décidé de faire. Ça faisait environ 2 ans que je pensais ça. J'avais facilement 12 à 18 mois à penser ça moi-même avec moi-même. Parce que ça prend une certaine audace de dire que, bon, ben moi, je veux être le maire de Lévis. Tu sais, ça prend du côté fronté. Ça prend du guts. Ouais, un peu. Non, on ne se le cachera pas, ça prend du guts. Et en plus, je vais vous en parler de ça. Donc, 6 à 18 mois à penser ça avec moi-même. Puis, ce que je faisais, j'aime beaucoup mon anonymat. Puis, c'est l'exemple du galon de peinture. Tu sais, t'es chez vous, tu peintures, là. Ouais. Là, il te manque un galon de peinture. C'est pas compliqué, tu sors dans ton char, tu vas quinquérir, tu en achètes un autre. Là, je me disais, si je suis maire de Lévis, vous pourrez plus faire ça. Je suis obligé de me changer avant d'y aller. Et ça me fatiguait. Pas ça va peut-être l'attacher aux communications qui va dire, attends une minute, on va voir l'allure. Mais bon, donc, moralement, je tenais beaucoup à mon anonymat, puis c'est quelque chose qui me plaît aussi. Sauf que, bon, c'est plus fort que moi, j'ai le goût de m'impliquer. J'ai le goût de m'impliquer dans cette ville-là. J'ai toujours été un gars qui a changé la réalité des gens. J'ai toujours changé un peu mes environnements de travail. J'ai toujours monté des projets. J'ai toujours essayé d'améliorer. Donc, dans le travail que je fais présentement, c'est ce que je fais. Je change, j'ai des projets. Alors, je vais vous donner un exemple. Je suis en train de monter un colloque en santé mentale, un colloque provincial pour changer une pratique. Nous, on appelle ça soutien intensité variable. Parce que là, présentement, ça n'existe pas à nulle part. Le soutien d'intensité variable existe, mais c'est une pratique qui est un mal peu connue. Hétéroclite. Il y avait des normes. Donc, je me suis entendu avec le Centre national d'excellence. On monte des programmes, puis on a tenu le premier colloque en santé mentale en soutien d'intensité variable l'année passée. Ça a tellement été une réussite qu'on a dit, bon, on va faire le deuxième. Pourquoi pas? Bien, pourquoi pas. Donc, alors, vous arrivez en politique. Est-ce que pendant les 2 dernières années, parce que c'est très demandant, parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je pourrais faire pour faire des changements radical et que ça porte vraiment des petits fruits parce qu'en cours de route, on regarde la politique, on se dit, est-ce que moi, en tant que contribuable, je pourrais peut-être contribuer un petit peu plus? Puis c'est un peu ça que vous avez arrivé à un moment donné en regardant ce qui se passait puis à quel endroit que vous étiez dans votre vie personnelle, à dire, je pense que je suis dû là pour vraiment sauter. Mon implication est là. Ça va? Pour y aller. Ça va? Mon implication est là. Quand j'ai décidé d'aller en politique municipale, c'était vraiment. Je suis dans une période de ma vie, j'ai 51 ans, OK? Donc, j'ai une carrière qui est en arrière de moi. J'ai une carrière qui va se terminer un jour, hein, 10, 15 ans à peu près. Hein? Oui. Ça va? OK. Là, on est correct. C'est bon. Donc, j'ai une carrière. Bon, j'aurais pu rester dans ce que je fais, mais j'avais le goût de là, je suis rendu avec l'enfant, comme je vous disais tantôt, j'aurais pas fait ça avec des bébés. Ouais, si j'avais des petits-enfants à la maison, je l'aurais pas fait. Parce que c'est très demandant, ça aussi. Là. Oui. Moi, je le sais aussi. Là, j'ai 2 filles qui sont rendues à 19 et 17 ans. Ouais. Les premières années, c'est compliqué un petit peu, puis il faut prendre le temps, l'adolescence aussi et tout ça. Sauf que pour moi, ça a l'air bizarre. C'est un projet familial. Aussi bizarre que ça a l'air. Tomber en politique, c'est un projet familial? Est-ce que vous êtes assis avec votre conjointe et les enfants en leur disant, ben écoutez, là, c'est mon prochain projet? Écoute, Francis, moi, là, on a eu nos enfants, OK? J'ai 4 enfants. Ma blonde a arrêté de travailler. On a eu nos 4 enfants. À mon avis, j'ai des fois 2. Vous avez été très présent.
Donc, chez nous, là, quand on débarque, moi et mes enfants et ma conjointe, on est un clan. OK? On prend de la place. Mais on est solidaire. On a investi dans la famille, dans quelque chose auquel on croit. Oui. Donc, moi, quand j'ai décidé de me présenter en politique, écoute, je me vois encore au mois de mai, là, avril-mai, dire à ma conjointe, « Sonia, j'ai un projet en tête. » Ça fait 2 semaines que j'y pense, puis c'est assez rare que je dis pas à ma conjointe, que je suis 2 semaines sans lui parler de mes affaires. Et je pense sérieusement à me présenter à ma conjointe. Ça devait vous travailler quand vous couchiez le soir. Là. Oh oui, moi, ouais. Je pense ça. Donc, j'ai dit à ma conjointe, je pense sérieusement à me présenter en politique municipale à la mairie. Là, elle me regarde un peu, bon, encore une autre affaire. Oui, c'est sûr que dit comme ça, tu peux rester surprise un peu. Fait que, j'ai commencé mes démarches, j'ai dit, bon, ouais. Ben là, j'ai des rencontres. Ben, elle dit, ouais, écoute, non, c'est vraiment sérieux. Bon, j'ai eu mes rencontres. Là, quand j'ai senti que je touchais à quelque chose, là, je dis, là, j'ai collé les enfants, je vais vous parler. Le projet, il est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, on va embarquer, puis en attendant un petit peu, là, ça vous implique aussi, là. Je me souviens, ma petite fille, elle dit, ben non, ben écoute, tu vas être la fille du maire, ça va être. Ouais, mais c'est pas juste c'est du pas glamour. Juste ça. Non, non, je vais prendre ça. Des décisions, des fois, ça va être. Ça sera pas populaire, puis peut-être qu'on va te dire, ben écoute, ton père... Parce que veux pas, en faisant le saut en politique municipale, advenant le cas, on va présumer que ouais. Tomber maire demain matin, ouais. Ou le lendemain du 3 novembre ouais. Prochain, ça chamboule pas seulement la vôtre, votre vie, ça chamboule aussi l'environnement familial. Exactement. Donc, est-ce qu'ils ont pris le temps de analyser contre-coup? Parce que sur le moment, c'est le fun, c'est plaisant. Hey, papa, tu sais, il se présente comme mère, puis je vais être la fille d'eux. Puis est-ce qu'après coup, ils se sont vraiment assis pour comprendre de ce que ça pourrait être? Je te dirais, j'espère. Je sais, tu sais, on va le mesurer, mais qu'on va être rendu là. Mais écoute, l'expérience fabuleuse que je les offre. Écoute, je m'en vais dans un processus. Moi, à 51 ans, j'apprends à c'est quoi de la politique. Oui. Et je vois ma petite fille de 14 ans qui a accès à tous les passe-passe politiques qu'on doit faire, les stratégies, les analyses. Parce que je veux pas, les autres, ils vont voter aussi à un moment donné. Ils vont voter. Puis quand je fais un meeting à la maison, ils sont là autour de la table, puis ils peuvent dire le mot. Ma conjointe, c'est ma plus Est-ce proche. Est-ce que c'est surprenant des jeunes? Parce qu'on en parlait cette semaine, puis dans les Vox Pop que j'ai fait cette semaine, il y a beaucoup de jeunes qui délaissent le côté politique, autant municipal que fédéral ouais. Que provincial. Est-ce ouais. Que pour vous, c'est important que ces jeunes-là s'interposent et disent ouais. Leurs mots aussi également face aux décisions qu'on prend? Là, je veux dire, Francis, si je réussis à les faire sortir, si minimalement soit-il, pour aller voter le 3 novembre, je vais être fier de moi, pas à peu près. Puis je ne suis pas en train de dire pour qu'ils votent pour moi, là. Je veux emmener les gens à aller voter. C'est important. Oui. C'est un devoir de citoyen. C'est le premier devoir de la démocratie. Puis je vais t'emmener une réflexion que je me suis faite face à la commission Charbonneau qu'on a présentement. Oui. Moi, je travaille en intervention, comme je t'ai dit tantôt. Tu sais, un gars qui pratique de la violence conjugale, qu'est-ce qui lui permet de pratiquer de la violence conjugale? C'est parce que sa victime ne parle pas. Exactement. Qu'est-ce qu'un garde le silence. Exactement. Un homme qui est incestueux, pourquoi qui est incestueux? Parce qu'il ne peut pas lever la main et dire, regardez, c'est ça qui m'arrive. Je trouve que... Il y a le côté gêne aussi, tout le oui. Patatelin. Là, exactement. Vous en avez vu de nombreux cas, sûrement, donc, dans votre vie. Là. Qu'est-ce qui a permis à la commission Charbonneau d'exister? Qu'est-ce qui a permis aux gens d'abuser? C'est le silence. Oui. Donc, je pense que comme citoyen... Comme on a vu à Laval, d'ailleurs, les gens qui étaient en dessous du maire, exact. Elles se disaient, ben écoute, moi, j'ai une belle opportunité, j'ai un beau travail, mais j'ai pas envie de le perdre demain matin. C'est ça. C'est un peu le message qu'on donc, a entendu. Donc, autres, on est disait... tous tenus à notre terre. Mais si on dit, non, cette forme de chantage-là, d'otage-là, ben les bandits ou les gens accroches ne pourront pas exister. Exact. Donc, si on se positionne moins en victime, plus en gens qui ont le goût de prendre leur place... Bien, on peut la changer. C'est un peu ce que vous faites avec vos enfants, en leur donnant la possibilité de dire tout haut ce qu'ils pensent face à certains dossiers, parce qu'ils vont les appeler à un moment donné ou à un autre. Vous, de votre côté, est-ce que vous voyez votre point de vue des jeunes de cet âge-là? Je ne connais pas un peu leurs âges, là, mais est-ce qu'il y a une belle ouverture face à la politique municipale? Bien, c'est ça que... Il y a beaucoup de gens, c'est mes enfants, qui ouais. passent en maison. Puis c'est drôle, quand ils réalisent que
le père de Tommy ou de William ou de Morgan se présente à la police municipale, ils viennent comme les yeux en accent circonflexe. Hein? Puis ils sont surpris, puis en même temps flattés de venir dans la maison du gars qui veut se présenter comme maire, puis en même temps qui est accessible puis qui est parlable. Oui, c'est vrai. Donc, ça, je te dirais, c'est quelque chose qui, pour moi, est important de rester accessible. Là, présentement, vous arrivez quasiment au début de votre campagne. Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de tâter un peu le terrain avec des gens de votre entourage? Parce que on le sait, le territoire est très grand. Oui. Il y a beaucoup de travail qui va être mis de l'avant dans les prochaines semaines, prochains jours. C'est clair, j'ai besoin de me faire connaître, puis pas à peu près. Et là, présentement, dans votre entourage, y a-t-il des gens qui vous ont dit « Écoute, moi, dans telle affaire, j'aime pas ça. » Parce que vous avez commencé à parler plus ouvertement. Vous étiez dans le donc, les gens, c'est important qu'ils puissent faire le lien entre l'élu et la communauté. Ouais. Et qu'est-ce que les gens vous parlent le plus? Ce que je trouve surprenant, c'est sûr que je me dirige vers un emploi de pouvoir. Hein? Bon. C'est le lobby de tout le monde. C'est les besoins de tout le monde. Tu sais, quand je rencontre des collègues de travail qui restent dans le secteur de Charny où ce que les maisons la Constellation. Hein? Oui. Le fameux projet de la Constellation. On aura peut-être la chance de s'en parler. André, qu'est-ce que tu vas faire pour nous autres? Oui. Des gens qui sont à la croche-note, d'autres amis. Coudonc, c'est un autre gros dossier aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour nous autres? Oui. Donc, je me ramasse dans un autre secteur et on me dit « Ouais, mais le secteur de Lauzon, comment est-ce qu'on va revitaliser? Hein? » Hein? Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Et l'art du pouvoir, c'est d'être capable de bien écouter. De bien écouter ce que les gens ont à nous dire. Puis, dans la mesure des moyens, c'est d'aider et d'essayer d'améliorer les choses. Mais les moyens sont quand même restreints. Il faut que ça soit géré d'une façon très adéquate aussi. Il faut être responsable. C'est pas se transformer, dire oui pour ça, oui pour ça. Non, regarde, à un moment donné, il faut y aller selon nos moyens. Regarde, est-ce que vous êtes du genre à mettre la main d'acier en disant « Écoutez, là, ça va faire. » Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Je crois pas que j'ai jamais fait ça aussi clairement que ça. Je pense que je suis un bon démocrate. Écoute, je gère des équipes professionnelles de façon régulière depuis 8 à 10 ans. Le leadership démocratique, là, bon, je vais te donner une image. Là. Moi, là, les gens avec qui je travaille, j'en ai environ 60-70 employés qui travaillent pour moi, ils savent que je vais tout faire pour les aider, les accompagner dans leur travail. Et quand j'ai besoin d'eux autres, ils vont tout faire pour m'aider dans mon travail. Souvent, ce que je dis... Là, donc, dans ce temps-là, c'est réciproque. Exactement. Donc, ils sentent le besoin d'être aussi proche de vous que vous sentez le besoin d'être proche d'eux. Une image que j'utilise est peut-être pas... Ils savent que je vais passer dans le trou de la serrure pour eux autres, puis ils vont passer dans le trou de la serrure pour moi. Okay. Et quand je travaille avec des équipes de travail, c'est ça. Moi, là, ce qui est primordial, c'est l'investissement, l'implication, le respect. Que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Moi, j'appelle ça croiser le fer. T'es pas d'accord? Tu penses blanc, je pense noir, c'est bon, on va échanger. Mais tant que le respect, un compromis. Effectivement. Donc, est-ce que j'ai déjà pris des positions fermes? C'est sûr qu'à quelque part, écoute, je perds, j'ai des enfants. À un moment donné, bon, tu sais, comme pareil, tu mets des limites. Mais j'essaie beaucoup plus de faire appel à l'intelligence des gens. Est-ce que vous êtes du genre aussi à déléguer beaucoup et à voir comment que les gens voient la situation et qu'est-ce qui pourrait en ressortir en bout de ligne? Et après ça, discuter avec eux et dire « Hey, ça, là, ton affaire, là, j'y ai repensé. Là. Ouais. Si, oui, c'est vrai, ça serait une maudite bonne idée. » Moi, là, le principe que je défends, c'est de faire appel à l'intelligence des gens. Je suis qui pour dire à quelqu'un quoi faire de sa vie? Tu as une expérience qui est aussi valable que moi, qui est différente, qui a une couleur différente. Mm-hmm. Tu as des forces, tu as des points faibles. C'est sûr que si je t'interpelle sur tes points faibles, je te mets en échec. Exact. Par contre, si tu as des belles forces, on va dire le moyen t'appartient, mais arrive-nous avec un résultat là-dessus. Et ça, c'est une façon de gérer qui est responsabilisante. Donc, les gens qui tombent dans un environnement de responsabilisation, la responsabilisation va s'en aller jusqu'à différents étages. Oui. Je te donne un exemple. Si je suis hyper contrôlant, mettons que j'ai une gestion très contrôlante, je contrôle tout. Et toi, tu es mon subalterne, je te fais cette médecine-là, ben tu es subalterne, tu vas le faire la
le temps. Oui, on apprend. Puis on crée une culture organisationnelle de contrôle qui est non efficace. Tandis que si on a une culture d'entreprise qui mise ses forces et ses valeurs des gens, c'est ce qu'on installe jusqu'en bas. Tu sais, quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut avoir de l'imagination. Exactement. Et la richesse, les ressources humaines, la richesse d'imagination. Solutions novatrices aux problèmes majeurs qu'on peut avoir. On va faire une petite parenthèse sur le nouveau parti avec lequel, parce que vous avez décidé de joindre un parti qui s'appelle Action Lévis. Ouais. Est-ce que vous aviez l'intention de vous joindre à une grosse équipe ou déjà au départ, vous vous disiez « Je vais peut-être bien me lancer indépendant, Charles. » J'ai jonglé avec cette idée-là. Parce que ça se pose la question aussi. Moi, j'imagine qu'avant d'être péquiste ou libéral, ou etc., on se dit, ben, moi, en tant qu'individu, à quel endroit je me situe? Et Action Lévis, vous reflétez un peu plus comme parti en tant qu'individu? Je vais te parler du cheminement, OK? Oui. Je m'étais lancé dans un premier temps avec un autre parti. Je suis arrivé, je n'ai pas eu la chefferie. Mais moi, j'avais un projet de m'en aller à la mairie, j'ai un projet de réaliser des choses pour la ville, j'ai un projet d'offrir un leadership fort à la ville de Lévis. Moi, je pense qu'un maire, ça doit être quelqu'un qui s'implique dans beaucoup de choses. C'est pas juste la gestion de tuyaux, de cotteurs et de poubelles. C'est pas ça un maire pour moi, c'est ça. Oui. Donc, après ce premier échec-là, il y a des gens qui m'ont lancé. Écoute, André, on t'a vu en action. On a vu tes valeurs. On a vu quelle sorte de gars que tu étais. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires. Des gens qui m'ont dit, lâche pas, vas-y encore. C'est sûr que après ça. Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit, t'es fou là, de te lancer dedans? Là? Je te dirais, la première réaction au début, les gens, quand je lui parlais de ça, ils partaient à rire. Puis là, ils riaient, puis ils étaient prêts à s'arrêter parce que ces gens qui me connaissent, je suis un gars qui est assez chaleureux. Puis je suis un gars qui est assez inventif aussi. Le se transfère. Et après ça, le visage, il y avait une étincelle qui s'installait dans les yeux des gens puis qui disait « Ah ben, sais-tu? Ah ben, coudonc! Ah ben, ça a bien du bon sens! Ah oui, ben, on va t'accoter! Hey! » Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais. Et pourquoi pas? Ils connaissent, ils savent comment est-ce que je suis capable d'emmener large. Et à partir de là, je pense que je suis un gars que oui, je peux faire la job. Parce qu'à Lévis, il y a des on parlait de projet de constellation, on parlait l'événement au lac Mégantic qui a fait une histoire immense avec les résultats qu'on a eus. Et puis, à partir du moment que ces événements-là, vous, de votre côté, quand vous êtes arrivé avec la possibilité d'offrir vos services, parce que c'est un service que vous allez offrir à la population, nous, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Ouais. Quelques secondes. Ouais. Le temps d'écouter une chanson. C'est bon. Ça va me laisser le temps un peu de décompresser. J'aimerais ça te revenir sur mon cheminement qui m'a amené à Action Lévis parce qu'on est en train d'en parler. Oui, on est en train d'en parler. Puis je pense que ça va être une très grosse partie de l'entrevue parce que c'est important de faire la différence entre il y a plusieurs parties, vous auriez pu partir comme indépendant. Ouais. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est de savoir pour quelles raisons vous avez choisi Action Lévis. Je vous explique ça. Donc, on retourne en musique tout de suite. C'est quand elle veut. C'est votre radio. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. After that, I at you. You step politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left. Past his defense without granting innocence.
lose the road, a break with the ones that follow. He will do one of two things. He will admit to everything, or he'll say he's just not the same, and you'll be. Avec Francis Daniel. Voici Frankie D live. Alors, de direct du studio de CKLV, les studios mobiles de CKLV, la radio officielle de Lévis. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec M. André Jean. Musicale de votre accession au, à Action Lévis, ouais, comme chef du parti. Ouais. Moi, je vous posais en dehors des ondes comme question, est-ce que ça a été difficile? Ben, c'est ça. Donc, je me retrouve à un peu au mois de juin avec toujours le désir de me présenter. Puis des gens qui m'en parlent, écoute, André, laisse pas tomber, présente-toi à la mairie. Puis j'ai eu un contact avec une personne qui s'est beaucoup impliquée avec moi. Puis je vais en nommer, je ne me gênerai pas, c'est Nicole Larouche. Nicole qui était pour moi une personne très organisée et très déterminée. Ce qu'on a fait, ça a dit, au début, on se rencontrait, puis on dit, écoute, on va monter un regroupement d'indépendants. Donc, j'ai pensé sérieusement aller comme indépendant. Des gens qui sont libres de penser, qui ont leurs valeurs, des valeurs d'honnêteté, de droiture, puis qui désirent se présenter sous une bannière indépendante. Avec James Redman, qui est le chef, qui était le chef intérimaire d'Action Lévis. Donc, on a eu un contact super le fun, très chaleureux. Parce qu'il y a des gens parmi Action Lévis, pour ne pas les nommer, ils vont se reconnaître, hein, qui ont décidé de déserter. Et puis, est-ce que ça vous a donné un peu le momentum de dire, ben écoute, ouais, peut-être okay, que ça serait le bon moment? Les contacts que j'ai eus avec Action Lévis, dans les dates que j'ai eu des contacts avec Action Lévis, il n'y a pas eu de désertion. OK. Si vous faites allusion aux désertions qu'il y a eu, ça a eu lieu avant que j'arrive. OK. Donc, c'était déjà fait. Là. C'était déjà fait. Donc, il n'y en a pas eu de désertion depuis que je suis là. Puis, moi, je vous dirais, moi, je suis un rassembleur. Même si à quelque part, on n'est pas d'accord. Vous avez senti qu'ils étaient derrière vous, à vous talonner, en disant, hey, écoute, oui, on a notre gars, puis parce que c'est important, là, on parle de... C'est une grosse pointure, là, le chef du parti. Ouais. Là. Et qu'ils sont derrière vous, en vous disant, oui, on croit en toi, okay, puis ils foncent, puis... Okay. Est-ce que vous avez senti ce feeling-là? Je vais t'expliquer mon cheminement, OK?
Donc, quand j'ai eu des contacts avec James avec d'autres membres du parti, écoute, nous, on a un parti, nous, on veut pas nécessairement avoir un regroupement d'indépendants, on veut un chef. Et c'est là-dessus qu'on a regardé la possibilité que je devienne le chef d'Action Lévis. Okay. Ça n'a pas été facile. Ils m'ont passé en entrevue, puis ils m'ont cuisiné. Puis moi aussi, j'avais des attentes envers eux autres. Donc on a fait ces tractations-là pour aboutir que oui, je suis choisi chef. Ça fait 2-3 semaines, là, si ma mémoire. Mais ça a été un establishment de ce parti-là. Tu n'arrives pas, bon. Je suis le chef et voilà. Donc, oui. Il faut que je m'installe en douceur. Hein? C'est la démocratie. Je m'installe en douceur, je prends le pouls, je mesure les couleurs. Oui. Voir un peu les dossiers chauds qui sont sur la table, parce qu'il y a des gens qui ripostent assez rapidement. Là. Les dossiers chauds, puis aussi les leaders. Hein? Parce que quand tu es dans un parti politique, les gens sont des gens solides. Là. Mm. Donc, ce n'est pas des gens qui se font driver facilement. Hein? Mm. C'est normal. Puis c'est ça qu'on s'attend de nos gens qui nous représentent aussi. Il faut qu'ils soient solides. Donc, prends la première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre, sortie médiatique. Là, je me rends compte de plus en plus que je suis le chef. Donc, on est dans ces démarches-là. Moi, je suis chef de programme en santé mentale dans le réseau de la santé. Déjà en partant. Oui, mais chef avec des professionnels. On a des délais quand même courts entre aujourd'hui et l'élection. Donc, il faut que je prenne des positions rapides. Je fais consensus, écoute tout le monde. Moi, c'est beau. J'ai pris pouls de tout le monde. La couleur est là. On s'en va par là. Il faut qu'on ait une cohérence, il faut qu'on ait un programme, il faut qu'on ait la finance. Pour le programme, on va avoir la chance de s'en parler pour faire une petite parenthèse. Les gens connaissent très bien les dossiers, ils ont les opportunités aussi. On a mis sur d'ailleurs certains gros dossiers que les gens peuvent regarder et se manifester. Là, vous êtes arrivé comme chef. Ouais. Vous avez tâté le pouls de cette équipe-là en sachant que vous êtes en mesure de bien les coacher et de se faire coacher par cette équipe-là. Oui. C'est un échange. C'est comme on mélange nos atomes. Là. Ah oui, c'est important. Ouais. Puis je pense que c'est ça le but de l'exercice. Quand on arrive, je suis le manitou, je connais tout, je sais tout. Ça ne marche pas. Là. C'est zéro. Ça. Normalement, c'est zéro pinball, puis ça tombe tout de suite. T'en plaisant. Et là, vous arrivez il y a 2 semaines avec la décision comme de quoi vous êtes le chef de parti. C'est ça. Quelles sont les attentes d'Action Lévis face aux élections 2013 qui s'en vient? Les attentes envers moi-même, c'est que je les garde. Ça en est une. Première. OK. Dans les dossiers importants que vous, personnellement, vous avez l'intention de mettre plus d'avant que ceux du parti. Parce qu'il y en a des majeurs qui sont là. Ouais. Mais les vôtres personnels qui font en sorte que là, vous avez les deux pour pouvoir publiquement de ces dossiers-là, et le faire peut-être, on ne le sait jamais, peut-être le 3 novembre, quels seraient les dossiers que vous avez... Je vais t'en venir sur mes... Bon, aujourd'hui, c'est et la Beauce, etc. Bon. Bon, c'est ça. Ils ont toutes leurs spécifications. Okay. Un des éléments forts de la campagne que je veux porter... Je suis un peu tanné d'entendre parler de la Rive-Sud. Je veux que ça disparaisse. Ça, je vais vous faire une parenthèse, parce que moi, ça va faire 9 ans. Et je dis, on s'en va sur la Rive-Nord. Ah ouais, ben c'est ça. Je vais pas à Québec, là. Je vais sur la Rive-Nord. C'est une vengeance, ça, là. Ben, c'est une petite vengeance. C'est ça. Mais il reste que c'est une mentalité, puis ça, on s'en aperçoit que les gens disent toujours, ben on s'en va sur la Rive-Sud de Québec. Ou à l'Hôtel de Ville de Québec, avec M. Lebon, on va dire... C'est la Rive-Sud de Québec. Donc, ça vient un peu... Il faut que ça devienne Lévis. Ouais. Est-ce que pour vous, c'était un peu tannant aussi, la fameuse expression « à la porte des ponts » Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est l'embouchure, puis c'est tout le développement, là, la tête des ponts, là, c'est ça. Parce qu'on entend parler souvent, les gens me disent « Oui, mais on n'aime pas ça. Ouais. Tout est rendu là-bas. Ouais. Lévis, c'est un grand territoire, mais tout est parachuté, les grands magasins, les gros centres d'affaires. » Vous, de votre côté. Je vais t'en dire allez-y. Une de mes visions, la Rive-Sud. Pas que j'ai de quoi contre la Rive-Sud,
mais je demeure à Lévis. Je suis fier d'être à Lévis, puis ça, c'est peut-être mon côté chauviniste sagnéen, là, OK? Ouais. C'est pas grave, je m'en gêne pas, et je vais le sortir. Moi, je rêve que les gens de Lévis disent, ils arrêtent de parler de la Rive-Sud, qui disent, moi, je demeure à Lévis et je suis fier de rester à Lévis. C'est clair qu'on a 10 petites villes qui ont été fusionnées, on a appelé ça Lévis. Dont certaines qui n'étaient pas trop d'accord non plus, là. Bien, il y a l'Est, il y a l'Ouest, bon, il y a toutes sortes. Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer sur tout ça. Il faut qu'on ait un sentiment d'appartenance. Pourquoi un sentiment d'appartenance? Plus on va avoir de fierté, plus qu'on va être solide, plus qu'on va créer de la richesse, plus qu'on va s'entraider, plus qu'on va prendre une place régionale. Québec est une des plus belles villes. C'est dur pour une place comme Lévis de se démarquer en termes commerciaux. Se démarquer du point de vue culturel aussi. Ah oui, culturel. T'sais, on a un patrimoine culturel ici qui est très bien. Le festival, le festival de jazz qui a permis un peu à les focus sur, sur Lévis, le Grand Lévis. Il y a d'autres événements aussi comme celui-là qui a fait en sorte que Lévis a pris sa position. Il faut faire découvrir Lévis. Lévis, c'est, entre guillemets, la métropole de Chaudière-Appalaches. Ouais. Il faut la faire découvrir. Il faut la faire découvrir. Il faut que les gens qui vont à Québec aient le goût de venir chez nous. Donc, tout le secteur de la traverse, il va être revampé. Mais il faut qu'on ait un attractif. Il faut devenir attractif. Les gens qui viennent à Lévis, peux-tu devenir attractif qui viennent rester chez nous? Ouais. On enlèverait peut-être des autos sur le pont. Hein? Ouais. Donc, moi, c'est... Lévis, là, ça va devenir... Ça ne sera plus à Rive-Sud, on va parler de Lévis. Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure qu'on va me le permettre, mais le boulevard de la Rive-Sud, là, on peut-tu y donner un nom? C'est vrai que ça fait longtemps. Hein? On peut-tu y donner un nom? C'est vrai que ça fait longtemps que c'est... Y a-t-il un boulevard de la Rive-Nord à Québec? J'en ai pas vu. Il me semble pas, hein? Fait que... Ça, là, c'est mes besoins personnels, OK? Ouais. Bon, c'est sûr que je suis un gestionnaire. Moi, c'est clair que mes colonnes de chiffres, il faut qu'ils arrivent. Oui, okay? Puis c'est sûr que dans le domaine de la santé, vous avez des chiffres qui sont restreints par moment. Oui, puis on se fait compresser. On se fait compresser. Puis il y a plus de besoins que de capacité de répondre. Donc, ça, c'est mon quotidien, là, OK? À qui je donne le service? À celui-là ou à lui, tu sais, vous devez faire la part des choses. Il faut discriminer à qui qu'on donne des services. Puis ça, c'est important, tu sais, c'est pas nos actifs, c'est les actifs des citoyens. Les deniers publics. Exactement, donc il faut le faire anxieusement. Donc, je vous dirais, ça, c'est un élément important de programme, parce que, tu sais, si je m'arrête un peu, si on fait une pyramide de besoins, tu sais, loger, se nourrir, se vêtir, donc il faut que les colonnes de chiffres arrivent. Après ça, on va rêver. Donc, moi, c'est clair que quand on va être à l'hôtel de ville, il faut qu'on notre budget balance. Il faut qu'on se dégage des marges de manœuvre pour arriver avec des projets un peu plus structurants, un peu plus portants. Puis là, on a une dette, on a une bonne dette à la ville. C'est pas dramatique, c'est inquiétant. Donc, c'est clair qu'il faut freiner l'hémorragie. Puis la dette n'est pas juste financière, hein? C'est une dette d'infrastructure aussi. Tu sais, si tu poses un aqueduc, il est bon pour 25 ans, bien, il faut que tu prévois que dans 25 ans, tu le refasses. Ouais, mais si tu es rendu à 35-40 ans puis ton total d'infrastructure est déficitaire, ben là... Parce que vous en parliez tantôt, il y avait des gens qui vous avaient approché sur le chemin, mais ils disent, c'est pour quand l'asphalte, là, sur le coin de ma rue? Oui, c'est ça, durant la norme. Oui, c'est ça. Je me promenais parce que j'avais des signatures à aller chercher, puis je me souviens, il y a un citoyen qui me dit, « Ouais, écoute, mon asphalte, cette en avant, là, elle serait due pour être refaite. » C'est ça, j'ai pas eu le front de dire à ce monsieur-là, écoutez, si on refait l'asphalte dans votre rue, c'est peut-être les 10 prochaines années de vos taxes qui vont y passer. Est-ce que c'est un bon investissement? Moi, je te dirais, c'est ça que je vais répondre aux gens. Est-ce que on va mettre les 10 prochaines années de vos taxes sur une couche d'asphalte ou on va peut-être investir ça dans quelque chose de substantiel? C'est sûr que si son asphalte, ça ressemble au Vietnam ou à Beyrouth, on va la refaire. Oui, c'est clair. Et si c'est quand même potable, il faut choisir où ce qu'on met les deniers, là. Ah oui, c'est sûr. Et là, vous me parliez de votre parcours. Moi, ce qui m'interpelle, dans les dossiers que vous voulez mettre de l'avant, advenant le cas que vous devenez maire, vous parliez un peu de la revitalisation, on parlait un peu de dossiers locatifs, on parle de dossiers... Pourtant, mais des infrastructures durables pour les générations à venir, parce que vous parlez aussi en pensant aussi à vos enfants qui vont participer, qui vont profiter un peu de ces,
ces infrastructures-là, ouais. comme moi, mes enfants participent exact. Aussi à la vie active de Lévis. Pourquoi on leur laisse des dettes, là, quelque chose de potable et d'intéressant? Est-ce que ça vous amène encore une façon de réfléchir un peu différemment en sachant qu'il y a des gens quelque part dans un an, deux ans, trois ans qui vont être tributaires des décisions qu'on va prendre aujourd'hui? Je veux juste bien saisir ta question. Je vais essayer de l'articuler comme je le pense. Oui, oui, mais c'est le but. Oui, oui, c'est le but. Parce que quand on prend des décisions aujourd'hui, on sait que dans deux, trois ans, il va y avoir des impacts face à ces décisions-là. Ouais. Est-ce que pour vous, ça a été vraiment une prise de décision importante? Des fois, tu le fais à moitié et ça dure trois fois moins longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de même qui disent « Ah, ben on en met un peu moins, puis dans 3-4 ans, on va refaire un peu la même dynamique. » Puis okay. Moi, j'ai pour mon dire, vaut mieux faire tout de suite correct exactement. Que d'être obligé c'est de ça. Recommencer. Tu sais, t'es mieux de t'acheter une bonne paire de chaussures, tu fais trois paires. Un, tu laisses une trace écologique beaucoup plus grande au niveau de l'environnement. Ouais. Regarde, on va donner un exemple. Moi, j'ai une maison ancestrale. Ma maison date de 1860. Quand je l'ai eu, bon, les fenêtres, ça avait été changé, c'était pas chic. Bon, il y avait des petites affaires de même, mais dans l'ensemble, c'était un beau bijou. Mm-hmm. Ma maison, à mon avis, elle ressemblait à peu près. La corniche, parce que je l'avais trop haut, les corbeaux, tu sais, bon. Ouais. J'ai pas corrigé ça, mais elle ressemble à peu près à l'époque qu'elle était construite. Donc, pour moi, c'est de respecter ce qui a été fait au départ, qui a été bien fait. Mm-hmm. Puis je me souviens, quand j'ai rénové chez nous, il y avait un urbaniste de la ville de Lévis qui m'avait montré la photo de mon voisin. Puis il disait, ça là, c'est l'erreur à ne pas faire. Tu sais, une belle maison ancestrale en briques qui avait été recouverte de clabard. Hein, okay. Ça, c'est les années 70. Hein. Oui, c'était très populaire, le clabard, à cette époque-là. Tu sais, on isolait, puis on cachait de la brique, puis on cherchait des choses de même. Ou, je te donne un autre exemple, bétonner la rivière Saint-Charles. Probablement qu'en 70, quand ils l'ont faite, ah, c'était génial, hein? Ouais. Bon, mais on l'a tué, on a fait un égout à ciel ouvert. Puis là, on est revenu. Donc, moi, c'est sûr que à la mairie de Lévis, puis je le saurai pas parce que je vais être mort, mais dans 100 ans, peut-être les gens vont dire, « Hey, les gens de cette époque-là, là, mais ils ont-tu été assez brillants de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça? » Donc, c'est avec cette préoccupation-là de se projeter dans l'avenir que j'aurais le goût d'agir et pas de penser à court terme, dire, « Voilà, on comble notre besoin, puis on s'en balance de ce qui va se passer par l'avenir. » Donc, c'est important. Je vais donner un exemple. Le quartier ici de Lauzon, OK? Mm-hmm. J'espère qu'on va vitaliser. Si ce n'est pas moi qui est là, j'espère que le gars ou la fille qui va être maire ou mairesse va donner un coup de barre pour revitaliser ce quartier-là. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, ça va coûter des sous le faire aujourd'hui. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fait dans 10 ans, ça va coûter beaucoup plus cher. Ouais, donc, c'est une indécence de laisser des quartiers périclités. Il y a beaucoup de citoyens qui font... ce qu'on appelle, nous, un délaissement rural, au lieu de rester dans le secteur, ils vont aller dans d'autres coins parce que c'est plus propice à l'établissement d'une famille, plus propice à l'éducation, etc. C'est clair. Donc, ils se disent, je vois pas pourquoi je resterais là. À certains endroits, il y a même des étudiants qui nous parlaient cette semaine qui nous disaient, écoute, moi, quand je m'en vais travailler, on a beaucoup de difficultés parce que l'employeur nous pose une question. On a un véhicule ou on a la possibilité d'avoir un transport adapté pour le travail. Ouais. Et ces gens-là se disent, ben écoute, l'autobus passe pas, moi, le samedi puis le dimanche. Fait que là, ils perdent la possibilité d'avoir un emploi. C'est malheureux, là. J'ai des enfants, puis un transport en commun. Écoute, ma fille, elle demeurait du côté de Québec. Quart d'autobus à Lévis, ça coûtait cher, là. Mais ça, moi, pour moi, sans rentrer dans les détails, pour moi, c'est pas le transport en commun, c'est la gestion des transports. Il va falloir qu'on s'arrête comme il faut sur la gestion des transports. Ouais. Écoute, le pont, là, les deux ponts qu'on a, là, on les en rajoute tout le temps des autos là-dessus, hein, à tous les années. À un moment donné. C'est quoi notre délai? Deux ans, trois ans, cinq ans? Combien d'autos de plus qu'on peut foutre là-dessus, là? Donc, c'est là la question. Ouais. Avant qu'on se dise, ben, ça nous en prend un autre client. Ce qu'on a pu voir aussi également dans les dernières années, c'est que avant ça, on parlait des gens de Lévis allaient travailler sur la Rive-Nord. Ouais. Et ce qu'on s'aperçoit, il y a beaucoup de gens de la Rive-Nord qui viennent travailler à la grande ville de Lévis. Ouais. Qu'on ne voyait pas. Oui, c'est ça. C'est un nouveau phénomène. C'est un nouveau phénomène. Ouais. Est-ce que pour vous, le développement économique de la ville de Lévis, ça va très bien, oui.
Est-ce que pour vous, il y a encore place à amélioration, point de vue économique sur Lévis? Y a-t-il encore des trucs qui nous manquent? Bien, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, là, mais avec les investissements, alors, je vais revenir à la tête des ponts, hein, de 100 millions qui s'en viennent prochainement, il y a de la richesse qui se crée sur la Rive-Sud. Je ne crois pas qu'on ait besoin de mousser énormément. Je pense que c'est important de le maintenir, de le favoriser, de le développer. Oui. Moi, je pense que nos entreprises vont peut-être avoir besoin de main-d'œuvre aussi tantôt. Parce qu'on n'a pas un taux de chômage très, très élevé sur la Rive-Sud. Hein? Non, c'est vrai. Hey, je parle de Rive-Sud. Il va falloir moi-même que je me corrige. Je vais mettre un petit plat avec 25 cents dans la porte, je pense. C'est bon. Ça fait un chèque après. Mais il reste que c'est vrai que le développement, il y a des investissements importants. Ouais. Il y a eu des trucs comme sociaux, les appartements sociaux qui ont poussé, les condos. Est-ce que pour vous, c'est une grosse maladie qu'on a à Lévis d'avoir des condos inaccessibles pour les gens de la population? Il n'y a pas peut-être un juste milieu à faire dans les prochains dossiers? Tu sais, Francis, pour prévoir l'avenir, il faut regarder le passé. Ouais. Hein? Les années 70, 60, ça a été le condo de luxe, c'est moins pas besoin de faire de gazon, ça permet une densification. Moi, je ne suis pas contre le condo. C'est sûr que si on a une densification, ben ça nous ménage les infrastructures. T'sais, l'étalement urbain, il faut y penser. Oui, effectivement. Donc, moi, ma préoccupation dans tout ça, j'ai des enfants. Je faisais regarder la maison que j'ai là, je pense que je ne pourrais pas me la payer aujourd'hui. Et ça, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça, je me dis, mais comment est-ce que nos jeunes vont faire pour passer au travail? Ça m'inquiète. Okay. Bon, quel pouvoir que je vais avoir là-dessus? Je ne le sais pas. Mais on peut-tu tenter de donner des facilités? Puis, alors, je vais donner un autre exemple. Jean-Paul Lallier a travaillé fort pour revitaliser le quartier Saint-Roch. Oui. Hein? Bon. Il y avait des tissus de pauvreté dans Saint-Roch. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec la pauvreté? On l'a tassé. On l'a déplacé. On l'a tassé. Oui, effectivement. Donc, si on revitalise, est-ce qu'on tasse la pauvreté ou on fait avec? On essaie de donner des opportunités. Moi, c'est cette préoccupation-là que j'ai. J'ai pas de réponse à ça, mais tu peux être sûr que je vais questionner puis je vais aller chercher les gens qui peuvent nous aider à en avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient ben, l'étalement urbain, c'est une chose, mais quand les gens sont obligés de déménager d'endroits pour être en mesure de rester au travail ou encore de profiter de l'éducation de leurs enfants, puis parce que c'est rendu très loin ou inaccessible, est-ce que ça vous interpelle, ça, pour éviter que ces gens-là puissent déménager ou fuir, si on veut, la grande ville de Lévis? Ben, c'est sûr que quelque part, il faut qu'on donne la gamme de services qu'on a besoin. Hein? C'est sûr que la vie de quartier, il faut qu'on la développe, les écoles à proximité. Ouais. C'est sûr, idéalement, écoute, moi, je suis chanceux, là, mon travail, 5 minutes à pied de chez nous. Hein? Je suis à Pointe-Saint-Joseph, puis je travaille à l'Hôtel du Lévis. Donc, tu sais, je suis chanceux. Ma conjointe, elle, à part le matin, 1h30 avant moi, il faut qu'elle aille virer de l'autre bord. Ça, Québec, oui. Hein? Bon. C'est sûr que... Ça prend un petit peu plus de planification, là. Puis là, ben c'est l'auto, c'est l'essence, et, on embarrasse le trafic, on est dépendant des aléas du trafic aussi. Hein? Mm-hmm. Tu arrives deux fois plus fatigué à job. Tu sais, moi, cette heure-là, je peux en profiter pour faire de la politique. On voit ça, oui. D'ailleurs, Monsieur Jean, parlez-nous un peu de ce qui s'en passe. Est-ce qu'on vient de la période sociale? Est-ce que vous avez passé des belles vacances? Oui, j'ai l'été? Pris en famille? Oui. Ben, en famille, c'est relatif. Hein, mes enfants, ils ne suivent plus, ils travaillent. Mes trois derniers ont travaillé comme animateurs au Patro. Écoute, je suis formé en psychoéducation. Donc, ils se tiennent occupés pas mal aussi. Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, regarde, moi, je suis formé en psychoéducation, ma conjointe aussi. Donc, les pommes ne tombent pas bien loin du pommier. Fait qu'ils ont travaillé tout l'été au Patro avec des jeunes comme animateurs. Et là, vous vous préparez durant les prochaines semaines. Ouais. Je ne connais pas votre calendrier. Ouais. Vous aurez peut-être la chance de nous en parler dans les prochains jours. Ouais. Le programme d'Action Lévis, ouais. Qu'est-ce qu'il propose aux gens de Lévis? Le programme, on l'a sur la planche à dessin. On va le sortir en, je te dirais, en point de forme. Tantôt, je te parlais de la gestion des transports. Ouais. Gestion des transports. Ça, c'est un dossier. Ouais, exact. Par exemple, sociale.
Ce qui est important, c'est d'avoir des positions claires sur des dossiers précis. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir le côté de la transparence sur tout le processus, autant pendant les élections qu'après un mandat? C'est clair. Écoutez, moi, je travaille, puis je vous mettrai au défi de consulter n'importe quelle des personnes qui travaillent avec moi. Ils vont vous dire que je suis un gars très transparent, je suis un gars ouvert, puis... Je n'ai jamais changé. Parce que là, présentement, c'est un peu le message que les gens disent quand on les croise. Ouais. Ils disent, on s'aperçoit que la machine municipale est un petit peu plus difficile d'accessibilité. Et des fois, ça prend des longueurs énormes. Mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ce qui est important, il faut que le maire soit accessible. Puis écoutez, je ne peux pas répondre à 140 000 personnes. C'est impossible. On se comprend aussi, là. Mais... Mm. Tu sais, alors tantôt, là, durant l'intermission, je te parlais, la physionomie du conseil de ville. Pourquoi qu'on ne change pas la physionomie pour que ça soit un peu plus accueillant pour les citoyens? Un peu plus friendly, comme on dit, amical. Ben, pourquoi pas? Parce que ça crée un type d'environnement qui est différent que trop encadré. Là, ben, c'est ça. Qui fait en sorte que les conversations sont différentes un peu que quand on s'assied devant un bon souper. Puis, pourquoi les conseillers municipaux, et quand ils arrivent à la salle du conseil, ils arrivent et ils prennent une place? Pourquoi qu'on ne lui dit pas? Regarde, vous arrivez. C'était quoi le terme que vous aviez mentionné? C'était la royauté? Ah! Ben, c'est parce que. C'est l'impression que ça donne, effectivement. Ben, écoute, t'as le conseil, on est là, les citoyens passifs d'un bord. T'as le conseil de ville qui est là sur une tribune. Ça fait un peu royauté. Pourquoi que on ne dit pas conseil municipal? Regardez, là, vous arrivez 15 minutes avant, là, puis vous passez du temps avec les citoyens dans la salle. Allez serrer des mains, allez voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis ça pourrait peut-être une belle occasion aussi que les citoyens aient dit, écoute, t'as la fête. On aurait un contact. Ça donne des munitions aussi aux conseillers municipaux en ayant pu tâter le pouls avec les gens qui sont là présents, qui ont des dossiers en attente ou en stand-by, ou etc. C'est leur job première. Leur job première. Et peut-être que ça leur donne des munitions additionnelles lorsque eux vont prendre la parole et pouvoir débattre d'un sujet et dire, ben, écoutez, nous, c'est ça les préoccupations qu'on a de la municipalité. Là. Exact. Puis, je te dirais, moi, ce que j'espère, c'est que quand on va être là, puis un conseiller répond, qu'il ne me check pas du coin de l'œil s'il y a mon avis. Non, donne-là ton avis, là. Je suis pas d'accord avec tout ça. Moi, je tiens à ce que les gens aient leurs opinions et qu'ils le disent franchement. C'est ça qu'une démocratie. C'est important de dire ce qu'on a vraiment, ce qu'on pense réellement, puis pas de se transformer tous avec la même couleur, la même saveur. Ça ne goûte plus rien. Exactement. On s'en vient, on retourne un peu sur le processus de septembre, parce que septembre s'en vient, il est à nos portes. Ouais. Ça va être des mois très exigeants pour vous. Ça a commencé. Ça a commencé déjà. Comment vous trouvez l'accessibilité de la population face aux élections qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « Ah, ben moi, ça ne m'intéresse pas, c'est toujours la même affaire. » Puis on entend, là, je suis dans l'âge de 45 ans, puis on a vu tout et ça. J'ai commencé à tester ça, OK? L'autre fois... De quelle manière que vous prenez Le journal de Québec. Là, je prends le journal, avant de le payer, je monte à madame. Hey, elle m'a dit, mais c'est vous ça? Ben oui, je me présente à la mairie Lévis. Puis là, il y avait deux ou trois citoyens. Elle vient de me serrer la main, puis d'un enthousiasme fou. Les gens sont d'un enthousiasme. Je suis vraiment surpris. C'est très agréable. Je vais avec ma fille acheter des croissants à Courtisane. Regarde, on va lui faire une promotion en passant. Hein? Puis là, on sait du fromage, puis belle relation. Je dis, avez-vous de l'intérêt à la politique municipale? Ah, ben, je suis pas encore bien là-dessus. Ben, écoutez, je vais vous en donner un cours, là, je me présente à la mairie. Ah, là, regarde, je l'ai donné pour trois quarts d'heure. Mais c'était le fun. Elle m'a parlé de ses préoccupations. Bon, la madame m'a parlé des Mais ben, vous savez, M. Jean, que lorsque vous allez être élu, la dynamique, point de vue public, va être un peu différente. Est-ce que vous comptez rester proche des gens autant que vous les êtes là, même s'il y a le momentum du fun, là, parce que c'est plaisant d'arriver à quelque part et les gens vous reconnaissent? Écoute, je te dirais, je suis un gars qui... je suis un intervenant. À la base, je suis un intervenant. Okay? J'ai été formé en intervention. Comme chef de programme, j'ai à intervenir beaucoup sur différents dossiers. J'ai une belle expertise. C'est clair qu'il faut que j'écoute. Puis à un moment donné, il va falloir que je me dégage aussi. Je suis capable de dire aux gens, regarde, c'est bon, j'ai noté ce que tu m'as dit. Je ne vais pas passer à quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné, je ne peux pas passer
parce que je ne pourrai pas vivre. Là, ouais. À un moment donné, j'ai une vie, je vais mettre des limites, mais je vais être disponible aussi. Donc okay. Ça, c'est de bien doser entre la disponibilité, puis il faut vivre aussi. Donc c'est ça, c'est important. Puis ça, je pense que je suis capable de le vivre aisément. Puis les gens aussi sont capables de comprendre. Je pense que les gens sont respectueux aussi. Oui, oui. Bon, ils sont pas assez nonos pour pas faire la différence et très... la part des choses. Ils sont respectueux. Ils sont bien respectueux. Donc, les prochaines semaines sont importantes. Oui, bien là, on va se monter un agenda. Là. On va se monter un agenda d'activité avec une séquence. Quand est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on présente les candidats. Les candidats, en passant, on les a presque tous. Il nous en manque quelques-uns. Donc, on est encore ouvert. Donc, il y a encore place à certaines personnes de pouvoir se mobiliser. Est-ce que vous avez déjà des noms qui sont sur la liste à dire « ben celle-là, ça serait un candidat possible. » On a déjà tagué sur notre tableau chacun des districts. Okay. Je vous dirais, qu'est-ce que vous essayez de retrouver dans toute votre équipe? Une disparité de... Idéalement, de... c'est une mixité homme-femme. Je vous dirais que les femmes, ils ne sont pas beaucoup en politique municipale. Hein? Quand je regarde les deux autres partis majeurs, on parle de 33%. C'est sûr que si on aurait eu un 50-50, je pense que ça aurait été plaisant. Bon, pourquoi? Je ne sais pas trop. C'est sûr que nous, on tente d'aller vers ça. Ce que je veux avoir, c'est différentes compétences. T'sais, si j'ai un ingénieur, je viens du social. Domaine de la santé aussi. Domaine de l'enseignement. Si nous manque un profil X, je vais faire une recherche dans le profil que j'ai besoin d'avoir. L'idée, c'est d'avoir un niveau de compétence autour de la table, différent, diversifié. Qui va combler un peu tous les besoins que la future ville de Lévis a besoin dans les prochaines années. Là. Exactement, parce que t'sais, si on serait tous des sociaux, on aurait des beaux échanges, mais on n'avancerait peut-être pas. Oui, effectivement. Donc, vous allez arriver avec un programme dans les prochaines semaines. Assez rapidement, on va le descendre. On va le descendre au fur et à mesure pour que les gens en prennent connaissance. Quel sera le premier dossier du 4 novembre prochain qui va faire en sorte que vous allez sauter à deux pieds dedans? Hey, mon Dieu! Est-ce que vous avez pu faire une petite liste des dossiers que certains vous interpellent? Oui, mais lequel de ces dossiers-là vous... OK, le 4 novembre au matin, là, c'est clair, après avoir fêté notre victoire, ça va être de monter un cabinet. Ça, c'est clair. OK? Un cabinet avec des bons joueurs. Hein? Oui. Donc, les conseillers qui vont s'occuper de différents dossiers. Ça va être primordial. Ça va être de prendre acte de la ville. Quand je dis prendre acte de la ville, le budget. Première des choses, c'est clair que le budget... De savoir où on en est rendu. C'est clair. Parce qu'on parlait dans les journaux récemment d'un surplus pour la fête qu'on a eue, 800 000 $ qui va être redistribué. On parlait encore d'investissements importants que vous parliez tantôt à la tête des ponts. On parlait encore revitalisation du Bully, de la traverse de Lévis. On parlait de d'autres nombreux projets, dont Constellation. Donc, pour vous, la question de savoir où on en est, parce que c'est important, tu te lèves le matin, tu sais qu'il te reste 2 piastres dans tes poches, au moins tu le sais. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas dépenser 4 piastres dans ta journée. Exactement. Tu sais que tu as 2. Bon. C'est ça. Donc, pour vous, le côté de vraiment connaître les tenants, les aboutissants du budget va être un peu le démarrage de votre mise en place de prise de décision. C'est clair. Je te dirais, puis écoute, je vais t'en livrer un engagement qu'on prend. Là. Première année, on gèle les taxes. Première année. OK? Notre mandat, c'est de l'aimer. Ça va faire plaisir à plusieurs. Oui. Première année. Le petit monsieur là, qui voulait avoir sa spatte, il est content, lui. Oui. Ça va être la première année. Bien d'économiser sur les 10. C'est ça. Ouais, si on veut. En tout cas, c'est juste la marge d'augmentation. Oui. On ne peut pas prendre un engagement au-delà de ça, on ne le sait pas. L'engagement qu'on prend, c'est que le citoyen de la ville de Lévis puis la citoyenne, on va tout faire pour que son compte de taxes soit le plus bas possible. On n'en fera pas des folies. On va essayer le plus possible de maintenir ça le plus bas. Ça veut dire qu'il faut prendre acte de la ville, il faut regarder nos priorités, où est-ce qu'on fait des investissements, les liens avec les paliers de gouvernement, comment est-ce qu'on peut s'associer, comment est-ce qu'on présente nos dossiers pour qu'ils passent. Parce qu'on n'est pas tout seul à financer les différents projets. Oui, parce qu'on en parlait encore cette semaine qu'il y avait une ouverture à la communication entre le côté municipal et le provincial, autant sur le côté fédéral, parce qu'il y a des dossiers qui se travaillent en équipe. Hein. Donc, c'est important de garder les canaux ouverts de communication. Est-ce que ça va être plus facile pour vous en ayant
un poste important au sein de la ville de Lévis, de garder ces portes de communication là ouvertes de façon un peu plus facile, parce que vous êtes dans le domaine de la santé présentement, puis comme vous dites, vous êtes rassembleur. Est-ce que ça va être facile pour vous de jumeler un peu les... Ben, je me dorerai pas la pilule en me disant que ça va être facile. Il n'y en aura pas de facile. Ça, je pense qu'il faut être réaliste. Ouais. Mais je vais avoir de la détermination pas à peu près, par exemple. Puis vous pouvez être sûr que nos dossiers, on va les connaître. On va être capable de les positionner. Puis si je ne suis pas capable de répondre à un dossier, je vais tout de même trouver quelqu'un qui va répondre à la place. Pour me dire, il vaut mieux avoir l'air non en posant la question que d'agir et que ça sorte tout croche. C'est ça. Mais on n'en manquera pas de rendez-vous. Quand on va dire on fait telle affaire, on va le faire. Si on structure le plan triennal d'investissement, puis si on dit qu'on fait une dépense Y en date due, on ne la sautera pas pour se payer d'autres choses. On va la faire. Donc, ce qu'on va dire, ce qu'on va annoncer, on va le faire. Ça, vous pouvez en être sûr. Dans le respect des citoyens et des citoyennes de Lévis, on ne dérogera pas de notre plan de match. Donc, on est rendu pratiquement à la fin de notre entrevue. Ça a été très plaisant, M. Jean. Oui, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Hein? Et ça permet aux gens aussi de connaître un peu qui vous êtes. Il n'y en aura pas de facile. Les prochaines semaines vont être assez exigeantes pour tout le monde. Vous ne vous gênez pas si vous avez besoin qu'on vous suive, qu'on regarde un peu ce que vous faites. Ça me fait extrêmement plaisir. Un mot pour les citoyens de la ville de Lévis en terminant. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se rappellent de votre passage? Ça va être important. Là. Je pense que le message, c'est comme l'invitation que vous dites à la population. Là. Moi, je veux donner une couleur, OK? Moi, je me présente à toi ici aujourd'hui. Je suis un gars direct, puis il n'aura pas la langue de bois. Je veux démontrer aussi qu'on peut avoir du plaisir à travailler, même si c'est pas facile, qu'on peut avoir du plaisir à travailler. Mon parti, Action Lévis, c'est des gens qui ont du plaisir à travailler ensemble. Le plaisir, ça va se sentir. Et ce que je propose aux gens de Lévis, embarquez donc avec nous autres. Vous allez en avoir du fun aussi. Je vous en passe un papier, ça va être agréable, vous allez être fiers de votre ville, vous allez être fiers de vos représentants, on ne vous fera pas honte, puis on va en faire des beaux projets, puis on va rêver ensemble. C'est juste ça que je vais vous dire. Monsieur André Jean, un plaisir, et merci. On va vous suivre dans les prochaines semaines. Ça marche, merci. Alors, Francis Daniel, en direct des studios de CKLV, et là, la deux ex s'en vient. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la rive.